Les frérots, c'est Ruru, j'espère que vous allez bien. Bah ça fait une semaine que je n'ai pas sorti de vidéo, que je n'ai pas fait de live, désolé les BG. J'étais descendu, redescendu voir de la mif, les amis et tout, et là-bas, bah y a pas de fibre. Poster une vidéo, c'est 5 heures. Flemme d'attendre 5 heures clairement devant mon ordi et tout, partager, blablabla, blablabla. Donc forcément, j'ai dû attendre et me revoici les BG. Pour un nouveau showcase, on va aller partir tester du coup le Gohan que j'ai droppé du coup lors de mon dernier live. Du coup, que je vous ai allé voir, les gars, je vous le laisse. Donc, si vous voulez aller voir comment je l'ai droppé, n'hésitez pas à les BG. Du coup, nous on va partir avec cette team Métis là. C'est pas des grosses teams qu'on va affronter parce que c'est le début de saison, forcément, mais je vous ai quand même pris les meilleurs games avec de bonnes teams tout de même. Je vous préviens, je prends pas le Trunks vert. Je le mets là en déco pour la 4Z. Je ne le joue pas dans ce showcase là. Bien entendu, il y aura un showcase de ce perso là. Il sortira certainement demain. Et on verra ce que ça donnera, tout simplement. Sur ce, je vous laisse avec les games, les gars. Profitez bien. Team Gary fusionné en face. Du coup, nous on a pris le trio habituel hein, de la Métis. Le Mirai Gohan que j'ai encore obtenu, du coup, que j'ai 4 étoiles. Le Gohan LF Zenkai. Et le nouveau Gohan LF, forcément. Parfait, j'ai bien temporisé. Faire une blast ici. Je vais mettre le Gohan. Ah, bah, tant pis, je la prends. Je prends la verte ici. j'ai break combo, mais de base, je vais pas break combo. C'est juste je sais pas, j'ai trop attendu à mon avis. Ok. Je vais faire tape attaque ici. Ça passe pas, il fait une verte. Ça joue bien en face. Hein. Ça joue bien en face. 909. Ah, il fait 923, ok. C'est bien. Alors, est-ce qu'il fait une physique ou est-ce qu'il fait une blast? Parce que s'il fait une physique, je pense que je vais laisser le Gohan de mon côté. Je vais le laisser. Je vais le laisser ici. Ça va, il t'en casse bien, hein, malgré tout. Bon, après, il est que 2 étoiles le VB en face, donc c'est un peu normal en soi. Donc là, je vais faire attention, par contre. Je vais pas attaquer directement. Il a encore le main, il me semble qu'il a aussi le RR de son côté. Donc là on s'en sort, on gagne pas mal de boost de dégâts également quand on va taper, on va en gagner pas mal. On va tempo. Oh putain, il a très très bien temporisé en face, hein, par contre. Hein. Ah ouais, énervé comment il a tempo. Je vais mettre le Gohan ici, je vais un peu temporiser. Oh le bâtard. Ok, vraiment il est chaud. C'est bon, par contre il mettra pas le Mirai Gohan KO d'un coup. Étant donné qu'il n'a pas, toujours pas terminé la première barre de vie. Donc ça m'arrange un peu en gros qu'il n'ait pas mis KO de perso ici avec le RR. Mais bon, il faut que je fasse quand même attention de mon côté. Parce que il est vraiment très très bon en face. Hein. Ça fait pas de mouvement inutile. Bon là c'est bon. J'ai enfin de la chance. Ouh, il fait mal. Ouh, il fait mal le Gohan ici. Oh, il fait très très mal le Gohan ici par contre. Énervé, voilà la crit. Voilà le Gohan, là ouais, vous avez un exemple de la puissance du perso ici. Ah, il attaque direct. J'ai envie de faire une spé, tant pis. Je vais mettre le Gohan ici, il va perdre deux cartes. Bon, par contre il a le main. Mais c'est pas grave parce que de mon côté je vais mettre le Gohan LF. Il mettra jamais KO ici le Gohan LF. Je vais faire spé directement. Parce qu'il peut plus esquiver. Il me semble qu'il peut esquiver. Je sais plus si je l'avais attaqué de là. Oh, putain, par contre. Non, ça c'est chiant. Ok. Je fais rien. Ok, il met le VB. Hein? Ok, j'ai pas pu esquiver, je comprends pas pourquoi. C'est pas grave. On va laisser le Gohan. On va laisser le Gohan. Oh, il va être KO ici. Même pas. Ça m'arrange. Ok, bon. Si t'attaques pas, frérot, j'attaque. Hein. Y'a pas de problème, y'a pas de problème, écoute. Bon là on va voir les dégâts. Oh putain, les dégâts blast déjà sur le VB, ils sont énervés. Alors, voyons voir les dégâts sur le Zamas. Ouah la star fou là. Hein. Franchement, incroyable. Incroyable ici. On va faire la verte. Bon tant pis, on se fait toucher. Je vais mettre le Mirai de mon côté. Il va perdre deux cartes encore. Voilà, il est bien. Par contre, il va mettre KO le. Il va mettre KO ici. Parfait. Parfait ici. Ah, j'aurais dû faire l'ultime.
J'aurais dû faire l'ultime, putain, quel con! Quel con! Il joue bien, il joue très très bien, les gars. Cinq, six, sept et huit et un. Oh, parfait. Heureusement, il a dansé. Heureusement qu'il a dansé en face. Et regardez les dégâts blast. Hein. Regardez les dégâts blast. Mais qu'est-ce que... Non, non, c'est pas une physique que je comptais faire, du coup, frérot. Putain, hey, incroyable les dégâts ici. On va le finir comme ça. On va le finir juste avec l'étape attaque. Et bah putain, première game, il était chaud le mec. Le mec était très très chaud. Par contre, les dégâts du Guan, il est que 3 étoiles. Bon, après, il n'avait pas non plus une team super étoilée en face, je vous l'avoue. Mais par contre, assez quand même satisfaisant sur la game, je trouve le Guan. Il a presque one shot du coup le Gata Isamasu. Et du coup, on part pour une game. C'est parti. Deuxième game, c'est Enmetis également en face. De notre côté, nous, on a préféré plutôt prendre le Trunks ici que le Guan Z7. Parfait, j'ai bien patienté ici, la tempo qui est passée. Bon, là j'aurais pas dû attaquer parce qu'il a perfect dodge, du coup je vais mettre le Trunks pour tanker, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Verte, en tempo. Ok, il attaque directement, pourquoi pas. Ok, il fait verte directement, bon. Après je lui fais pas mal de dégâts sur ses personnages, étant donné que le main, comme vous devez le savoir, c'est 15% de force, il régénère 15% de force du coup sur les alliés. C'est pas mal en soi, hein. C'est pas mal du tout. Ici on va mettre le Gohan, vous allez voir que déjà juste SSJ il fait très 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 mal. Un délire ce perso. Dommage que j'ai pas la dernière Dragon Ball par contre de mon côté. Je vais également faire le main, juste pour profiter des dégâts. C'est bizarre, j'ai pas entendu pas de côté du Gohan ici. Parfait. Parfait, nickel. Par contre on a full blast dans la main, donc ça c'est chiant. Donc j'ai fait exprès de temporiser un petit peu et espérer qu'il esquive. Bon, malheureusement ici on mettra pas KO. C'est pas de bug, on a eu que full blast en main. Il fait déjà le main. Putain, bah, il va vite s'en débarrasser du même. Oula. Alors je mets KO si... si je le... Oh, 972. Allez, on met KO ici, le Guan. Ah, pour une fois que je m'en sors avec les clashs. Bon, là, nickel. J'ai bien fait de prendre le Trunks ici. Aussi pour ça. Je vais attaquer directement parce que tout à l'heure, il a temporisé. Et j'ai bien fait. Il met le Trunks. Là, c'est KO du Trunks ici. Hein. Mettre le Guan. Et il va le finir en 2 strikes, voilà. Et à chaque fois que le Guan va toucher avec un art unique, il va augmenter ses dégâts de 15% quand il est pas transo. Du coup, c'est énervé. La verte là, il va esquiver forcément. C'est bizarre, j'entends pas ces bruits, les bruits des persos quand ils changent. Je sais pas, le Gohan CG2, ça faisait pareil. Bon, tant pis, j'ai les bonnes tempos, c'est ce qu'il faut retenir. Bon, je vais faire blast direct ici. Il est rare, bon, il n'y a pas de problème ici. De toute façon, il ne pourra pas mettre KO, quoique, parce que je sais pas si. Sur l'aspect, je sais que sur l'aspect, il enlève la survie au KO, mais je sais pas si via le RR, non, via le RR, ça ne marche pas, bien entendu. Bien entendu, Ruru, qu'est-ce que tu dis là? Tu dis n'importe quoi, frérot. J'aimerais en faire un petit LF, c'est sympathique, non? Allez, let's go. On peut pas faire le LF du Gohan, parce qu'il nous l'a même pas mis KO, de base. Mais là, la team Métis, là par contre, bah, c'était team miroir en face, hein. En vrai de vrai, c'est team miroir. Et on s'en est très 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 bien sorti du coup face à notre adversaire. Le petit élève qui fait plaisir, magnifique. Bon, c'est pas celui du Guan SCG2 encore une fois, mais au moins il fait plaisir celui-là. Et on part du coup, nous, pour une troisième game, les frérots, c'est parti. Team Futur en face, là ça va être intéressant de voir les dégâts que peut faire le Guan contre du Trunks Ikari à contre-type. Ça pourrait être intéressant de voir ça, étant donné qu'il est comme 9 étoiles, donc c'est assez sympathique. Il a le sel également 8 étoiles. Et le Black Goku élève 2 étoiles. Du coup, nous, on est parti avec le Mirai en premier, bien entendu, pour profiter des bonus pivots dès d'entrée de jeu. Ici, il a fait double pas de côté. On en profite ici. Est-ce que je ferai une strike? Ouais, je fais une strike, c'est bon. Je pensais qu'il allait mettre le Black ici pour essayer de contrer avec la cover, mais non, c'est pas passé. Ok, il a un peu temporisé, il a bien fait. C'est passé de son côté. On va laisser le Gohan, hein. Bien entendu. On va prendre les dégâts forcément, mais bon, c'est pas un souci non plus. Ici on va mettre le Mirai. On va éviter quand même qu'il se mange trop de dégâts le Gohan pour le début de game. Ok.
son aspect. Oh, il attaque directement. Je pensais qu'il allait faire l'aspect. Là, il l'a fait par contre. Je vais mettre le Gohan Zenkai 2. Zenkai 2, Zenkai 7, SSJ 2, je voulais dire. Autant pour moi, les frérots. Là, je vais faire blast direct. Je peux esquiver. Oh putain. Oh, les dégâts qu'on lui a enlevés avec une blast. Ils étaient incroyables quand même. Ils étaient quand même assez incroyables. Le perfect dodge ici. On aime, on apprécie. Ah, j'ai vous avez vu, hein? Vous avez vu, hein, pourtant, que j'ai voulu break, hein? J'ai patienté, hein, mais c'est pas passé, hein. C'est incroyable, quand même. C'est quand même incroyable que ce soit pas passé. Parfait. Là, on a bien fait de mettre le main ici, on a... Ouh, les bons dégâts. Là, on va break. On a trop break, même. C'est le souci. C'est le souci. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir RR, du coup, avec le Gohan. L'inverte également, pour avoir les dégâts infligés en plus. Et Ikuzo, il nous donne le sel. On va faire une strike ici, au cas où. J'ai eu raison, du coup, ici, de faire le strike. Et là, on est bien, on est en 3, on est en 3v2, les frérots. Il a plus beaucoup de vie sur le Black, il a plus beaucoup de vie non plus sur le Trunks Ikari. Après, il a pas fait les ultimes avec les persos. Là, par contre, j'ai bien fait de faire la verte, en vrai de vrai. Il va mettre KO le Gohan, c'est pas un problème. Tant qu'il ne le met pas KO tout court, ça me va. Donc là, il reste en son SCJ2, il va gagner pas mal de bonus. D'attaque, forcément, vous connaissez. Ouh, bien la temporisation ici, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Par contre, je vais pas lui laisser le Mirai, c'est mort. Je vais absolument pas lui laisser le Mirai, parce qu'il le mettra KO, étant donné qu'avec ses passifs, le Black Goku met KO malgré la survie au KO. Donc, il arrive de lui limiter, hein, comme vous pouvez le savoir, le perso. Ah, j'aurais dû faire le main juste avant, j'aurais pu le toucher le Black. Oh, il fait mal, il fait très très mal quand même. Non, il mettra jamais KO ici avec l'ultime. C'est quand même le Mirai qu'on a, qui est quand même, sachez-le, 4 étoiles. Donc il tank quand même assez. Et par contre, il fait du gros dégâts le Black ici. Très très gros dégâts. On va faire le... Oh, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Oh, ok, parfait, je prends. Oh putain, les dégâts du Mirai. Quoi? Pardon. Parfait, j'ai bien fait, ici aussi. Voilà, bon dégâts blast, 282 000. On va faire une speed directement. Et on LF ici le Black Goku avec le Gohan SCJ2. Patate. Ah, il est patate. Non, la vérité, il est patate. Je vous jure, les gars, il est patate de fou. Il est trop beau, ce Gohan. C'est un vrai délire. Et là, il a fait une grosse game encore. Comme les autres personnes. Bon, le Gohan SCJ2, on l'a pas trop vu. Il a fait du bon dégât sur le sel, malgré tout. Mais sinon, c'est tout. Mais c'était surtout l'autre Gohan qu'on voulait voir en action. Et on l'a vu. Franchement, incroyable, la team. Et on part, du coup, les frérots, pour une dernière game. C'est un guerrier fusionné en face pour la dernière game. Il a pris le Gogeta 4, le Gogeta Blue et le bébé. Et on est parti, du coup, Ikuzo pour le... Pour la dernière game de ce... Oh, on commence directement d'emblée par un perfect dodge. Je prends forcément. Ok, je vais faire le blast ici. J'ai bien fait. Faire une verte. Oh bah alors là, frérot. Sans pitié. Sans pitié ici. Oh, ok, il a bien temporisé. Bien joué. Il y a moyen que je mette le... Bon, je vais attendre qu'il dispelle du coup mon Gohan. Donc, je vais peut-être mettre le Mirai ici, de mon côté. Non, j'attends une strike de son côté. Et là, je vais mettre le Mirai. Et à mon avis, il va regagner quand même une physique derrière. Même pas. Ça m'arrange. Non. Ok. Perfect dodge. Parfait. J'ai eu le perfect dodge ici. Oh, les dégâts. Oh, les dégâts. Ah, il s'est pas laissé avoir par le break. Bien joué à lui. Je pensais qu'il allait mettre le Gogeta directement. Pas du tout. Il a bien fait. Gros GG. Il tank, hein. Le Gohan qui tank malgré tout. Et là, on le prend ici directement. Il va venir mettre KO. Il va venir mettre KO, hein. Regardez les dégâts qu'il est en train de foutre à la team adverse. Bon, il a déjà récupéré le Gogeta. Tant pis. Et là, on va pouvoir RR de l'autre côté, ici, pour qu'il perde le Gogeta. Parce qu'il n'a pas récupéré le Gogeta. Bon, il RR également de son côté. Ça nous arrange ici. 1, 2, 970. Parfait, on est bien.
Alors est-ce que... Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Oh putain, j'ai deux vertes. J'ai deux vertes. Est-ce que je finis avec une tape attaque ou pas? Non. Mais frérot. Non, frérot. Pas du tout. Vas-y, mets ton bébé. C'est parfait, mets le bébé ici. On va venir. Oh là là. Oh là là, j'en bégaye les gars. C'est un dire. En fait la team était. Ah bah voilà. Voilà, la team est tellement violente les gars. Voilà, forcément. Forcément, bah incroyable. Bah incroyable. Juste la dernière, incroyable les dégâts, la pression qu'on lui a mis avec le Goa. Non mais what? Un délire. Juste un délire. Comment la team est juste trop puissante. Le Gohan est trop puissant. La team Métis, elle est revenue. Déjà avec le Mirai Gohan qui est incroyable. Le nouveau Gohan LF qui est incroyable. Le Gohan Zenkai 7 qui avait un petit peu perdu de sa puissance mais qui revient tel un ogre acharné avec du coup tous les nouveaux alliés qu'il a. Donc franchement c'est énervé. Voilà du coup pour ce showcase. J'espère qu'il vous aura plu les BG. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. On est bientôt aux 900 abonnés. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner les BG si vous êtes nouveau sur la chaîne. À partager également si vous avez kiffé. Et puis sur ce, moi les gars, je vous souhaite une très bonne journée. On se voit normalement pour un live à 17h cet après-midi. C'était Ruru et ciao.